Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Arcane pour le sixième mois. Bordel. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est la triple carotte. Merci Arcane. Salut Vael, salut Amen. Mettez-vous bien, Amen. Amine. Amen. Alors, du coup, Atomic Heart. Ça fait un petit moment que je suis celui-là. C'est marrant, mais j'en avais pas entendu parler avant qu'un viewer m'en parle il y a quelques mois sur mon chat. Puis j'ai été voir un trailer et ça a l'air sympa en vrai. Hein? Donc on va voir ça. Bot streamer activé apparemment. Hein? Même si apparemment ça change pas grand chose. Ils mettent changer la musique pour un stream. Amen. Je vais t'appeler Amen Air. Apparemment ça change la musique, mais apparemment aussi ça marche pas bien. Hein, il y a des gens, j'ai vu, ils avaient beau mettre le mode streamer. Ils se faisaient quand même claim. Donc bon, on va mettre mode streamer, mais bon. Apparemment, c'est pas ouf. Langage audio, bah français, évidemment. Voilà, évidemment, français. S'il y a des petites pépites en termes de... comment dire? En termes de répliques. Pour comme d'habitude, un éventuel tech. Sous-titres, oui, langue, oui. Français, d'accord, très bien. Le flou cinétique, certainement pas. Hors de question, ça crève. Ça, ça dégage. Et ça, je vais pas toucher. Oh, yes, merci Coco Yeki pour le troisième mois et donc la double carotte. Salut Matskas. Donc on va tester tout ça. Et puis let's go. Hein. Bon, apparemment, on est sur un jeu type humour Borderlands et tout. Ça peut être cool, dire mon beauf. Borderlands 2 l'a prouvé, il l'a bien géré. Mais ça peut être un peu trop. Comme l'a montré Borderlands 3, d'après moi. Donc on va voir, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là 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 là. Alors attendez, moi je ne connais absolument rien du jeu, je t'avoue. J'ai juste vu des trailers de gameplay, je connais pas l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme Cyberpunk, tu peux choisir ton lore. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir pour une visite de tout repos, blablabla. Bla, bla. Les combats spectaculaires et dynamiques contre les robots ne devraient pas vous distraire. Ok. Vous aimez le challenge? C'est quoi? C'est le mode facile en fait? Ou le mode normal? C'est la difficulté en fait, ça n'a rien à voir avec le lore. Parce que tout à l'heure j'ai lancé le jeu, c'est marrant, mais j'ai lancé le jeu, mais tu pouvais choisir ta difficulté dans les options. Et depuis que j'ai fait une mise à jour du coup, la difficulté est là. Marrant. Bon, on va mettre normal, c'est ce qui semble être normal ça. Je commence toujours en normal, on va voir si je passe en difficile. Ouais, ouais, c'est la difficulté. Ah putain, d'accord, le fameux jeu où... J'adore cet endroit. À la fin d'un temps de chargement, tu dois appuyer sur valider. Le Chelomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. Non. Pas DLC d'Elden Ring, j'ai vu, ouais. Vous me direz pour le son par rapport à ma voix. Dis donc, c'est sympathique. Regardez cette eau, ce retracing. Merci Warwolf pour le Prime. On est sur PS5. Hein. On est sur PS5, ouais, tout à fait. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Ok, merci, maintenant tire-toi et vite. Ah ouais, ouais. Okay. Non, il a remonté! Pourquoi il a remonté? Au moment où j'allais valider, tire-toi, il est remonté. Ah, ça y est, le jeu, tu files un mauvais coton. Tu commences à filer un mauvais coton. Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Le système de navigation des robots. Ah ah, la honte. Ouais, j'ai remarqué. Bon, alors, est-ce qu'on va reconnaître des VF? Déjà, la VF de la voix robotique, je la reconnais. Waouh, ce qui fait beau. Pas celle-ci, mais celle qui nous parle. Dis donc, c'est plutôt sexy, ça va, ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il aura
Attends, y'a un mec qui a un cochon de compagnie là? Ça a l'air sympa le futur. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Viens-moi le cochon, on va. Un cochon de compagnie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Allez, allez, au trop. Mince, bien joué. C'est trop bien, Curfu. Merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Trop de chance. Mais ouais, mais c'est trop bien, attendez. Bon, ça m'a l'air d'être un sacré bordel. Bien bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Je connais rien du scénar, on va découvrir. Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Le mec, il est un familier de Dofus, ouais. Merci de l'horaire pour le deuxième mois. Je te retrouve plus tard. Très bien. Donc, je m'appelle P3. Je m'appelle P3. C'est mon nom. Ok. Ah ouais, non, mais c'est stylé quand même, hein, là. Sympa, là, cette petite image. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions. Je l'aime déjà bien, lui. Pauvre type. Ah, j'ai pas reconnu la VF du docteur. Par contre, la voix du robot là qu'on a entendu au début, je l'ai reconnue. Enfin, la voix du robot, la voix de notre sidekick, si j'ai bien compris. Hey, il est pas mal ce robot. Bonne coordination en tout cas. Des compliments, hein, sensationnel. Je n'en reviens pas. Voilà cette voix-là. Là. Il essaie pas de me donner son avis sans que je lui demande. Cette voix-là, là, je la reconnais. C'est la voix de... comment il s'appelle? Putain, du méchant, là, dans Captain America, là. Skull, je sais plus quoi. Skull, je sais pas quoi. Mais il a fait beaucoup d'autres rôles. J'aime beaucoup cette VF. Que mon crédit social ne soit pas assez élevé pour obtenir un cortex. Avec un cortex collectif. Alors attendez un petit peu, faites voir un peu. Ouais, non, pas Red Skull. Non. Non, 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 justement, pas Red Skull. Putain, comment il s'appelle? Mais c'est pas possible. Oh putain. Oh là là, mais comment il s'appelle, bordel là? Avec son casque noir et il peint un squelette sur son visage là. Putain, j'ai oublié son nom. The Rock, tout à fait, ouais. Salut, Mick. Ah, je vais pas être tranquille si je sais pas, là. Ah, voilà, c'est lui. C'est, comment il s'appelle... Il s'appelle... Crossbones, voilà. Crossbones, il fait la VF de Crossbones dans Captain America 2, ouais. Et dans Civil War, du coup. Donc il n'y avait pas du tout Skull dans, dans son nom. Crossbones. Ah, c'est sympa, hein. En tout cas, visuellement, c'est sympathique. Je peux pas courir, je peux rien faire d'autre, ok. L'atome sur la et photo. Puis, la statue aussi. Tout ce qu'il y a de là, là, de près sur la photo. Quelle belle journée ensoleillée. C'est presque comme si le ciel nous souriait. Ça me semble un peu trop... Un peu trop bien, un peu trop gentillé. Mais toutes les tables sont déjà réservées. Revenez un peu plus tard. Ça me semble un peu trop gentillé tout ça. Ça va partir en couille, je le sens. Alors attendez, au niveau du gameplay, j'avais vu quoi? J'avais vu quoi? Ouais, aide à la visée. Ils me l'ont activé. Je vais jouer désactivé pour le moment. Parce que même si on est sur PS4, je vais la désactiver. On va voir si on s'en sort quand même sans. Et je l'activerai si vraiment c'est trop galère. Oh, les pigeons! Putain, y'a même des pigeons dans le futur. Bah, c'est génial, c'est incroyable. C'est le mec qui sait que ça se dit pour rien. Y'a de l'herbe! Regardez cette herbe comme elle est verte! Et ce ballon comme il est rouge!
Regardez ce livre. Ah non, elle bronze. Elle est en train de bronzer. Une fontaine. Il y a une petite ambiance là. Ah, je peux interagir avec ça. Tu vas me donner une glace? Donne-moi une glace. Oh, trop bien, mais mec! Mais c'est trop bien le futur! Il y a des glaces dans le futur! Encore, fais péter! Encore! Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Ça va, le son est assez fort ou pas là? J'ai mis à. Je vais mettre à 19, vous me direz. Parce qu'en fait, pendant les moments où ça va canarder, je sens qu'on va plus m'entendre. Magnum, les best glaces. Alors, ça dépend lesquels. Moi, je suis team miel nougat et chocolat blanc. Incroyable! Le futur des années 50. Le futur. Marty! Merci de l'horaire pour le deuxième mois. Je sais pas si je l'ai dit. Si je te l'ai dit. Mais oui, c'est le tout début, ouais. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit. Et. Il paraît que c'est joli là-bas. Oui, en effet. Regarde, ce robot, on l'appelle un friand. Un jour viendra. Comme un friand à la viande. Pourquoi il sert une atmosphère artificielle. Ah bah tiens, je demande à voir, tiens. Ah, vivement qu'on aille sur Mars et tout là, ça va être sympa ça. Marty, le futur. Alors du coup, est-ce qu'il y a des overboards et tout? Des Nike qui se serrent automatiquement? Des manteaux qui se sèchent automatiquement? Ça m'intéresse tout ça là. Un petit overboard rose là. Oh, c'est mignon. Vous qui avez combattu pendant la guerre, de quoi vous souvenez-vous, camarade? Je me souviens de que dalle. J'ai plus aucun souvenir depuis ma blessure. C'est comme si quelque chose m'avait frappé à la tête, mais j'arrive pas à savoir quoi. Oh, putain de méchouille. Fais chier. Pas de gros mots, Major. On n'est pas tout seul ici. Bah, quelle importance. Ouais, franchement, je tiens à dire que je suis assez outré, là, d'entendre de tels gros mots. Pour moi qui suis pur et chaste, là, j'avoue, je suis un peu mal à l'aise, quoi. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Tsetchenov. Bienvenue, camarade Major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel. On est sur un mec qui aime pas les robots, ok. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais... il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple. Allez, souligne sur les appuis, Robert. Allez. Salut, Bad Clément. Si, 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 pur et chaste. Si, si. Bon, en tout cas, là, c'est sympa, là, la petite mise en bouche, là, bah, comme ouais, ça, dans le jeu. Je connais la chanson, abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit... Ok, là, la musique que j'entends, je peux te dire que déjà, elle est claim. La musique derrière, là, elle est claim. J'ai été informé de votre arrivée imminente, agent P3. Le camarade Tsetchenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Donc voilà, là je suis déjà mort. Là, je suis déjà foutu. Là, déjà, la VOD sur YouTube, c'est fini. Je te le dis, au fond on en est, c'est pas grave, mais je te le dis, c'est fini.
Salut monsieur l'arbitre. Ah c'est pour ça Entai, le truc qui sort de ses mains, ok. Je comprenais pas là, oh, ça va c'est des câbles, c'est pas des tentacules. Ils ont faux peu quand même. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère. Ah mais moi je me suis déjà fait claim pour une musique classique hein, sur YouTube, hein. Sachez-le. C'est des gros rapaces. Hein. Notamment à la tous. Rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet. Ah, en fait, c'est la vision d'aigle, en fait. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scap... Bah putain, qui a pondu un truc pareil, l'Inquisition espagnole ? Ouais, donc c'est ça, en fait. C'est la vision d'aigle. Ah ok, je l'appuie une fois dessus. Va des rétro. Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement... C'est deux fois en fait qu'il faut appuyer, ok. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation. Ouais, c'est la vision d'aigle, ok. Bon, apparemment... Ce qui fume. Wesh le futur. La même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant ? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Apparemment, on va faire que ça. Une capacité qui pourra se montrer très utile à l'avenir. Pour l'heure, veuillez poursuivre votre mission. Ah, mais oui, la voix du héros, c'est le doubleur de Seth. C'est la voix de Seth de LOL. Du coup, c'est la voix de Bayek. Je me disais bien, cette voix me dit quelque chose. C'est la voix de Bayek, en fait. Ok. Je dis bien, cette VF me dit quelque chose. Oh non, les mains sur la vitre. Merde. Sérieusement. Alors attends, que je me familiarise un petit peu avec le scanner là. Est-ce que c'est genre comme sur Metroid, si je reste le curseur dessus, ça analyse un truc ? Non, pas du tout. Intéressante. C'est juste pour voir les trucs en surbrillance, ok. C'est bien du travail de robot ça. Ouais, c'est bien du travail. Vous n'aimez pas ? Nous avons analysé des dizaines de dessins effectués par divers professeurs d'art. Qu'est-ce qu'il y a, Mao ? Pour imiter leur style, dites-moi exactement ce que vous n'aimez pas et nous corrigerons ce point à la... Qu'est-ce qu'il y a pas, Maoïm ? Quel ramassis de conneries. Ciao, la conserve. Alors, on est sûr que c'est la voix de Bayek, là ? J'ai un doute. Je la reconnais, mais je sais pas. Wow, le bordel. Mao, tu peux me dire si le son est bien ? Ça va être toi, Octopus ? C'est un peu bas ? Parce que j'ai l'impression que ma voix est couverte par le jeu. Je vais monter le son du jeu alors. C'est de toute beauté. Alors je viens de monter le son du jeu. Je l'ai monté. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Yeah, naturally. Désormais contrôler les machines par la pensée. Ok, bah vas-y, je monte le son là. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous charme. C'est tellement beau. Oh là 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 là, mais regardez la brillance du sol. Mais ça c'est le sol de... Comment il s'appelle ? Cyrallone, de Dark Souls 2.
Ça, mon gars, c'est Vanish. Ça, c'est du Vanish, je reconnais ça. C'est très beau. C'est très sympa. C'est ma salle à manger ici. Hello Savon, je savais pas que tu avais un stream. Je suis content, je te connais que via tes vidéos. De haute qualité. Merci à toi, Winch de Gaston. Merci beaucoup. Ok. Et si j'appuie sur le gros bouton là au milieu de la manette, non, ça fait que dalle. Ok. Ouais, mais en fait, je sens quand ça va canarder, ça va être le bordel, on va plus m'entendre. En un jour, mémoriser les plus grandes œuvres littéraires avec le connecteur neuronal de votre cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre cortex est j'ai monté le son encore. Par une minuscule injection de neuropolymère réalisée au centre de polymérisation locale. Ouais, le scanner pour l'instant il sert pas à grand chose hein. Il sert à que dalle. Je peux vous parler, vous, non? Non, je peux pas. Okay. Comme tu dois rager quand tu as renversé de la sauce tomate sur ce beau carrelage, on est d'accord. Ah, je sais que je serai en colère, moi. À quel point je suis hype pour Zelda 2? Bah, je suis hype, mais je me méfie quand même. Je me méfie quand même d'un effet Zelda Breath of the Wild 1.5. À contact sur Kirby bientôt, j'espère. Enfin, un jour. Alors, je me demande d'aller dans ton bureau, mec, mais voilà. Là, ici, y a rien en fait ici. Est-ce que le truc là-bas, je peux pas interagir avec ouais, demain, le Pokémon présente, est-ce que je suis chaud? Bah, comme d'hab, j'ai peur. Moi, j'ai peur, je peux pas interagir avec ça. Ok, j'ai rien à foutre ici, faut que je me casse. J'ai peur. Mais on se le fera, hein. Demain, je serai là à 15h et on regardera ensemble. Avec Pilo, et peut-être Axiul. Mais ouais, ça sent potentiellement le remake 5G, hein. Hein, on va pas se le cacher. Bon, je dois aller où, là? Aller au bureau de... C'est chez Nov. Ouais, bah c'est pas par là en tout cas. Puisque visiblement je peux rien y foutre. Mais ouais, le remake 5G, ça me fait peur. De toute façon, ils arriveront jamais à... Faisons le deuil d'avance. Hein. Ils arriveront jamais à retranscrire l'ambiance de noir et blanc. Un peu tôt pour un nouveau gros jeu. Bah c'est ce qu'on se disait aussi pour Pokémon Écarlate Violet. Et au final... C'est arrivé moins d'un an après Arceus, donc on sait pas. Hein. Ah mais non, mais je dois aller là-bas en fait. J'ai pas le choix, puisque tout est fermé en fait. Je ne peux pas interagir avec le reste. Oups. Mais la 5G, je l'aime beaucoup. Donc j'ai un peu peur. Bah non, mais je peux aller que là-bas en fait. Ah ouais, Elder Scrolls 6 et GTA 6. Ah ouais, non mais là vous allez un peu vite en besogne, là, les gars. Vous allez un peu vite en besogne. Ah, je peux... Ah, j'ai cru que je pouvais courir avec R2. Voyez où son putain de bureau, là? Au secours! Ah, à moins que... Attendez. Me dis pas que c'est ça, hein. Non, je peux pas interagir. Bah écoutez, What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à tout à l'heure? Pourquoi là ça monte et tout à l'heure c'est pas monté? Dites-moi que c'est moi qui fais quelque chose de mal et que le jeu ne bug pas. Je vous en supplie. Y a que moi que ça arrive ce genre de conneries. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris. J'ai attendu. D'accord. Ouh, je sens qu'on va bien s'entendre, toi et moi, le jeu.
Mais sinon, ouais, la 5G, moi, c'est une de mes préférées, donc... J'ai un peu peur, quoi, mais... On va voir. Mais là, le Pokémon Presents de demain, clairement, ils vont nous annoncer quelque chose. Moi, mon rêve, je vous l'ai déjà dit, c'est un Legends, donc comme Legends Arceus, sur l'univers de Noir et Blanc. Où en gros la star ce serait pas Arceus du coup, mais le dragon que formaient Kyurem, Reshiram et Zekrom. Ce serait un vrai kiff. J'aimerais beaucoup. Ça alors. Ah. Décidément, la science c'est la clé du pouvoir. Les fameuses jumelles. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. Les fameuses jumelles au gros boulard. Bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. C'est un petit peu les mascottes du jeu, quoi. Je les ai vus partout. J'attends. Ah oui, il faut attendre un petit moment quand même, ok. C'est Chenov à l'appareil. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais... J'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelome? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour... Nous salut, Nepal Television. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais que... Eh, on a déjà été bloqué par un ascenseur, Neprod. Vous êtes un rêveur. Ça augure du bon. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Ça sent le début de jeu très long quand même. Hein. Voyage spatial. Je sens qu'avant de canarder, vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver. C'est la VF de Eggman, ouais, on semble bien, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergueï. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. D'ailleurs, je me fais Sonic Prime, moi, en ce moment. J'en suis au deuxième épisode. C'est sympa. Et d'ailleurs, dans Sonic Prime, voilà, Alexandre Gillet a une bonne voix. La voix de Sonic est très cool. Elle a pas l'effet voix de nez bouché, enrhumé qu'il y a dans Sonic Frontiers. Comme quoi, c'est pas l'acteur le problème, hein. C'est l'ADA. Moi, j'aime beaucoup la voix d'Alexandre Gillet. Et sinon, ouais, pour revenir à Pokémon, moi, j'avais effectivement, pour répondre à quelqu'un qui disait ne pas avoir accroché, j'avais beaucoup de mal avec la 5ème gen au début, moi. Puis vraiment, c'est devenu ma préférée en plongeant plus dans l'univers. Que ce soit les Pokémon, le lore un peu plus sombre, N. Ouais, il y a vraiment une petite ambiance, je trouve, dans Noir et Blanc, moi. Merci de boucler votre ceinture. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Nous vous souhaitons un agréable voyage. C'est beau pour de la PS5. Ah, ça y est, on en est là. On en est là, le fameux c'est beau pour de la Wii ou de la Switch. Je sors de l'un d'eux. Elle est sortie depuis 2 ans, ça y est, on commence. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers. Wow, encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex, il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne. Très utile cette voiture. Si je mettais de la
Ah, c'est comme ça durant tout le jeu? Ah, super. Révolutionnaire et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Bon, il y a une petite ambiance quand même, hein. Major, le colibri entame des manœuvres de combat. Hein ? C'est vrai ? Ah, baston ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que... Merci. Oh putain ! Bienvenue. Vous êtes arrivé. Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Zavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquent. Mais que se passe-t-il? Quand soudain ils sont devenus agressifs. Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien peu pour toi de leur part. L'ascenseur est à nouveau. Cassez-vous, putain! C'est des robots méchants! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous. Pourquoi le coup? Et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Il se rebelle. Aidez-moi, camarade Major, je tombe. C'est quoi
cette merde. Bon, ça fait déjà une mort. Ça fait déjà un robot de mort. Cœur atomique. Bienvenue, le jeu commence. Sensationnel. Il y a un robot méchant, vous avez vu ? Il a voulu nous casser la gueule. Je sais pas si t'es au courant, mais Metroid Prime Remastered est numéro 1 des ventes. Et bah tant mieux ! Achetez-le en double ! Achetez-le 10 fois ! Tant mieux ! Faites la propagande de Metroid. Tant mieux, bordel ! Qu'on montre un petit peu à Nintendo, là, qu'on en veut plus des Metroid. Ah, petit dégradé et tout, là. Petite beubare. Ça prend soin de soi, quand même, hein. Swag là. Oh, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Je m'attendais pas à voir notre personnage comme ça aussitôt. En vue objective, si je puis dire. C'est vrai que j'ai quasiment rien vu du jeu, mais. Je te garde sur YouTube normalement, mais ça fait plaisir de te voir sur Switch. Sur Switch ? Sur Twitch ! Bah bienvenue Farahanor, mets-toi bien. Nepro Television, quelle médisance. Mais on est sur Switch, hein. Effectivement on est sur Switch. Rappelons-le. Ok, ça y est, on joue. Sorcier, ici P3, répondez. Sergueï ? Est-ce que ça va mon garçon ? Quoi ça va ? Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. Ok, ça c'est le gros coup en fait. Il a piraté le central de collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est incroyable, l'impact sur les éléments, c'est super. Vivant. J'aime beaucoup. C'est ça. Terminé. Je peux péter les vitres ? Allez, c'est 0 sur 20. Non, non, oh mauvaise idée, oh mauvaise idée. Ne jamais taper une poule, Seven, jamais. Toi qui as joué à Skyrim et Zelda, ne jamais faire ça. Excuse-moi, excuse-moi petite poule. C'est pas ce que je voulais faire, excuse-moi. Paix à ton âme. Non, je m'excuse. C'est pas ce que je voulais faire. Quoi ? Elle m'attaque ! Elle m'a attaqué la connasse. Attention des méchants. Salut bro. Ah ouais. Tu vois un peu l'attaque chargée. Ah ouais, ça fait mal hein. Je te chlasse. Mais enfin, mais... Les poules m'attaquent. Ça y est, ça commence. On est sur ce genre de jeu où les poules t'attaquent. Pourquoi ils me disent de frapper le cochon? Oh, mauvaise idée. Ils me disent de frapper le cochon parce qu'il va se rebeller, il va me casser la gueule, hein. C'est ça. Mais putain, mais... C'est bon, le cochon n'est pas mort. Putain, les poules m'attaquent, ça commence, ça y est. Ça lui fait une jolie cicatrice. Oula. Bah putain. Hey, le gant. Oui, camarade. Des détails sur la cible. Victor Petrov est l'ingénieur qui a chapeauté Collectif 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Je peux pas courir. Il court automatiquement. Ok. Il va falloir trouver un moyen. La revanche du KFC. Au boulot. Aidez-moi, quelqu'un. Je vais crever. Hé, vous, j'arrive.
Vous êtes vivant ? C'est un piège ! Il va m'attaquer ! Un robot, ça fait pas caca, mec. C'est un piège. Mais c'était sûr qu'il est con. Merde, lâche-moi, putain. Et il est con aussi, il se fait avoir par ça. Un robot, ça fait pas caca. Allez vous faire foutre. Jolie moustache le robot, ouais. Merci bro. Qu'est-ce que tu regardes là? T'as bien failli y laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Oh. Fais donc plus attention. Mais moi je l'avais vu venir, ça fait pas caca un robot. Qu'est-ce qu'il s'est fait avoir par un sale piège là? Pas de quoi mon gars. Ah, merci mon ref. Tu me tires une fière chandelle du pied mon ref. Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'avais pas remarqué, frère. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous n'auriez pas ça? Ils ont fait une faute. D'une. Ils ont mis D-U-N-E sans mettre l'apostrophe. Oh la honte! Ils ont fait une faute! Y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov, justement, c'est là que j'allais. Ah. On est à 2 sur 20 pour le moment. Ah, cette faute est importante. Regarde, ils mettent pas les apostrophes. Moi, je peux pas. Je peux pas. Ouais, mais Savan, tu comprends pas. C'est une prise de décision artistique. Bon, bah, écoute. 30 secondes avant quoi? 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche. Qu'est-ce que tu crois? Il parlait de Dune, frère, c'est très bien. Mais il est con lui, pourquoi il tourne vers la gauche? Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades. Vous comptez faire quoi avec? Et voilà. Les deux jambes, vous me faites suer. Saloperie. Prenez ça dans la gueule. C'est quoi cette malade là? Ah ouais. Petit bazooka là. Mamie. Mamie. Elle a disparu. Mamie Traillette. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, genre, ok, le héros trop dark, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le héros trop dark, qui s'en fume une. Oh putain, on voit que dalle. Ok. Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. It's a trap. Pour y arrêter les conseils débiles, parlez-moi plutôt de Petrov, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé? Stockhausen a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petrov s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il fout ici? Lors de son procès, il ok, il met de la petite peinture jaune, ça veut dire qu'on peut s'accrocher. Nice. Envoyé ici comme prisonnier. Quoi? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de collective allait avoir lieu quelques mois plus tard. Et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire.
Ils ont voulu que Petrov finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Gugus ? Victor Petrov était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des Conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collectif 2.0. Je vois. Oh là 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 là, le jeu bavard là. C'est marrant ça encore ça. Ça va être très la rigolade. Oui, exactement, Clever Girl. C'est la voix de Chris Pratt. Ouais. De Star-Lord. Ou toi, tu vas crever, toi. Bon, bah, rest in peace, bro. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. On a fait ce qu'on a pu. Sympa, ça. Je pensais pas pouvoir interagir. Souris, mon gars. Désolé, bro. Alors, pourquoi tu me montres ces couilles, là? Les ennemis peuvent lancer de puissantes attaques capables de mettre P3 KO. Quand un ennemi prépare une telle attaque, Charles vous indique le meilleur moment pour l'esquiver. Donc c'est bien Charles, la voix de Chris Pratt. D'accord, très bien. Charles. Quand vous voyez la surbrillance en rouge, appuyez sur rond pour esquiver. Très bien, d'accord. Le verre de leur cendre. Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé, là. Et j'ai esquivé ta mère. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une d'abord, je vais essayer. Sont particulièrement dangereuses. Allez, fais ton greu. Non mais sérieusement, vous pouviez pas le dire avant? Bon, il veut pas. J'ai serré sur d'autres. Ok. Mais je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection. Alors, collecte de plusieurs ressources à la fois, blablabla. Maintenez R1 dans leur direction et déplacez-vous d'une caisse à l'autre sans relâcher R1. Neuropolymère appelé Neuromed. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. N'hésitez pas non plus à récupérer les autres ressources. Ah, ok. Tu peux interagir en continu en fait avec. Ok. Je vous rappelle que vous disposez d'un sac à dos spécial, Yarov Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique. Salut, elle, loulou. Les objets qu'on y range, puis il rend leur taille d'origine quand on les sort. N'arrête pas le progrès. On se croirait dans un roman de science-fiction. C'est super, ça. On a plein de petites merdes à ramasser, comme d'habitude. Voilà. Je suppose que la plupart, ça sera juste bon à vendre. Et du coup, je peux pas interagir avec celle-là, ok. Ah bah là, je peux, je comprends pas. Je ramasse que dalle. Y'a rien. Y'a rien dans ces bureaux. C'est nul. Moi, je veux de l'argent, moi. Je veux de la thune. Bon, en fait, c'est vraiment que les objets qui sont en surbrillance, quoi. Oh putain, oh putain, oh putain, putain, putain. Ça sent le jeu là où tu vas devoir faire ça en permanence. Comme me disait Nepal Television. Très intéressant. Le jeu, c'est cœur atomique. C'est Atomic Heart. Oh, je sens que je vais rester appuyé sur R1 un long moment. C'est moi qui vous le dis. Ça va être sympa, ça, encore, tiens. Revelio. 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 Ah, le PTSD. Hein? R1 The Game. Oh putain, c'est toujours une galère. Nice, frère. Je resterai plus tard. Premières impressions à chaud. Ah ouais, non mais là c'est vraiment trop tôt pour le dire.
Oh, what the... En tout cas, bah, si tu veux mes impressions à chaud, je trouve que la moustache des robots est très bien réussie, vraiment. Bien taillée. What? Ils sont pas déséquilibrés, hein. Ils sont pas sonnés quand je les... Ah, alors appuie... Ok, c'est ce que je voulais. Ça, c'est pour soigner, d'accord. C'est ce que je voulais savoir, ok. La flèche du bas, du coup. Mais les moustaches sont très bien taillées, écoute. Voilà. Les jumelles, ça se voit qu'elles font du squat à la salle, là. Voilà, hein. J'attends le fameux moment où je vais découvrir le fameux frigo... Un peu trop excité. En tant que chercheur scientifique, je me suis toujours considéré comme athée. Mais ça, c'est la voix de Francis dans Malcolm. Puisse Dieu avoir pitié de nous. La porte magnifique, enfin, en mode vieux, quoi. Du tunnel des navettes est verrouillée. Mais j'ignore combien de temps nous pourrons contenir les robots à l'intérieur. Je peux interagir avec ça. C'est moi ou ce buisson a bougé ? Ivan ! Ivan ! Hé, le gant. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref, comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective ? Il ne travaillait pas seul. Je rate rien, là ? Non ? Ils me disent d'aller là-bas. Des complices, hein. Bah, je vais aller là-bas, du coup. Logique. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide, et c'est pour ça que vous êtes là. Ah, on n'en est pas loin du frigo ? Ok. La doubleuse y a mis tout son cœur. Alors j'ai vu effectivement 2-3 scènes. Effectivement, non, on pourra pas dire que la VF a pas fait d'effort. Hein. Ça c'est sûr. Ta gueule. Putain, quel rabat-joie, il y a de la musique, il l'enlève. Quel rabat-joie ce streamer. Oh. Il est pas content. Il est méchant. Oh là, ah ouais, je sens que je vais... Je pense que vraiment la touche R1 là, ça va être quelque chose. Hein. Alan et Prod me disait, tu vas voir, tu vas beaucoup appuyer sur R1. Là déjà... Je vois sur quel genre de jeu on est là. Non. Oh, trop bien. L'index qui chauffe. Attention à la tendinite, hein. Moi je vous le dis. Ah, c'est la sauvegarde? Ok, c'est la save. Oh, la petite musique toute douce là, quand on est dans la salle de la save. Ça c'est mignon pour le coup. Ça fait du bien. Bon, du coup, il n'y a plus rien à visiter ici, c'est bon. J'ai bien fait d'aller là, hein, tu vois, comme quoi. Toujours explorer au max. J'ai fait un peu de thunes. Alors j'ai le réflexe d'appuyer sur L3, mais en fait le personnage court automatiquement. Ça c'est à cause d'autres jeux que je fais en ce moment. Mais merde, pourquoi tout est fermé ici ? Le protocole d'urgence. Trouver l'infirmerie. Très bien. Ah, et voilà, alors là voilà. Typical Seven. Et comment je fais, voilà, pour ouvrir cette porte ? Faire le jeu dans le mauvais ordre et aller dans des endroits où t'es pas censé aller pour le moment. Typical Seven. Comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang ? Votre gant. Il y a un problème là. Oh merde ! Ah, et là, le monstre, il est là du coup. Eh oui, Jamy ! Il fallait d'abord regarder la porte. «
Revelio. Je peux avoir un gun, s'il vous plaît ? Ouais, encore un effort. Ça va ? Ça va. Combien j'ai de doigts ? 4. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui, ceux-là ? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui ? Je suis médecin. C'est quoi votre nom ? On n'a pas le temps de discuter, là. Oh, putain ! Les forceps ! Les forceps ! Les forceps, bordel ! Je m'en occupe. Passez-les-moi ! Hey, qu'est-ce que ça fout là, ça ? Merci, Spilou, pour le sub. Une capsule de neuropolymère ? On en a pas besoin. S'il vous plaît, madame, je peux avoir un gun ? Ça, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où ? Vous avez un sacré dégradé, Larissa, vous, ici. Nécessaire. Parfait. Bon, on comment vous avez fait ça ? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre ! Larissa ! Non, je veux pas mourir. Ouais, mais c'est pas toi qui décide ! Ah. Oh là, doucement, Terminator. Alors, on la connaît pas l'histoire en fait. Hein. Faut éviter le rayon. Ok, alors évitons le rayon, frère. Let's go. Comment il court ? Ça me détruit. Putain, c'est le premier boss, les gars, merde. Ok, le first strike du premier boss, incroyable. Merci Monoc pour le quatrième mois. Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. Et merci de votre télévision pour le septième mois. Ah ouais, faut looter les ennemis. Attends, faut pas oublier de looter les ennemis. À partir du moment où le fameux « Non, je veux pas mourir », famous last word. C'est quoi ce bidule sur la porte ? Une serrure. Sérieusement ? Alors ouvrez-la, bordel ! Allez, on n'a pas que ça à faire ! Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur... Ouais, ouais, j'ai compris avant que tu me le dises, frérot. Merci quand même. Ça a marché. Là ? J'aime pas ça. Il s'en bat les couilles de l'ambiance. Coupez les cadavres. C'est la voix de Nora, un adversaire extrêmement dangereux.